Ben bonjour, je m'appelle Henri Dufailly, donc je suis le représentant de CBI pour la France. CBI, ça veut dire Continental Biomass Industries, c'est un constructeur américain qui est dans le New Hampshire. Nous distribuons à travers l'Europe. Nous avons pas mal de machines partout en Europe. La France a seulement commencé il n'y a pas longtemps parce que les investissements sont tels que ce sont des machines de haute production. Nous avons le plus petit qui est juste derrière moi, donc qui est exclusivement pour la production de plaquettes forestières en 765 chevaux. Il peut se monter sur une remorque, comme vous le voyez, sur trois essieux centraux. Il peut se monter en semi, sur chenille, etc. Derrière, on a un plus gros avec un 1050 chevaux qui lui est uniquement en chenille. Par contre, lui, il a quatre rotors différents pour quatre applications différentes. Actuellement, il est monté avec un rotor à couteau pour de la plaquette également. Mais il n'y a pas longtemps, il avait encore un rotor à marteau donc pour faire des souches, du bois de recyclage, de la palette, etc., du déchet vert. Après, on monte en puissance avec plus gros encore. En général, à part un ou deux clients qui auraient besoin de plus gros, en général, c'est la gamme que nous avons ici juste derrière qui est la plus intéressante pour le marché français et le marché européen. L'organisation en France, elle commence. C'est-à-dire que nous sommes conscients, nous avons trois machines qui tournent actuellement, qui sont desservies par la Hollande. Ça pose un petit peu problème au niveau des coûts. Donc, je suis en train de créer un réseau de distribution. Il va y avoir un distributeur dans le nord, un dans le centre et un pour le sud-ouest, sud-est. Donc ça, c'est en discussion pour le moment, mais on est bien conscient qu'on ne peut pas rester sans un appui technique prononcé sur ce genre d'outils. Vu que le volume qui augmente d'année en année, on s'aperçoit que les machines actuelles sur le marché sont limites. Et les gens aujourd'hui passent à une machine plus industrielle pour produire beaucoup plus qu'ils ne peuvent aujourd'hui. C'est de là que le marché, pour nous, est porteur. Nous ne sommes pas dans un marché, un nouveau marché, nous sommes dans un marché de remplacement. C'est-à-dire les plus grosses unités de nos amis compétiteurs sont trop petites pour suivre le rythme.